Salut gens, c'est MM25, aujourd'hui Marlo Topani pour une nouvelle vidéo sur Unreal Tournament 2004. Et donc on va se faire une petite partie donc en action instantanée donc contre des bots hein, en Onslaught qui pour moi est le meilleur mode. Donc oui, donc c'est la démo hein, de Unreal Tournament 2004. Donc pour moi ça c'est celui-là c'est le meilleur mode. Le Team Deathmatch aussi est bien. Mais il est plus nerveux, rapide. Mais moi vraiment, j'adore beaucoup ce mode quand même avec les véhicules. Allez, c'est parti. Wow, ça bégaye un petit peu. Okay, on prend le Big Cake Ho Hilt. Je sais pas comment on prononce, enfin bon, c'est pas grave. On prend le Raptor qui est ce véhicule. Alors, tout d'abord, on va aller. On va aller prendre ça. C'est cette arme que je prends tout le temps en début de partie quand j'ai le Raptor qui est le Redeemer. Je sais pas comment on dit non plus, mais enfin bon. Et en gros, ce flingue, c'est un missile. Missile que télécommandé mais il est ultra puissant. Ah là le Raptor est muni. Essayez de le défoncer. C'est bon, tranquille. Oh, une petite manta. Ça le véhicule que vous voyez là c'est une manta. D'ailleurs j'ai fait une partie avec une manta récemment là. Une putain de partie de fou, excusez-moi du terme. Ouais, vraiment une partie de malade, une partie qui a duré un quart d'heure, donc c'est assez long quand même. Pendant 10 minutes de la partie, j'ai utilisé une manta, une seule manta, quoi, la même, et c'est une belle partie. Mais tu veux. Putain, j'arrive pas à viser là quand c'est comme ça. Voilà, on va exploser le véhicule, comme ça c'est fait. Vous allez pas prendre là les copains. Allez prendre. Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Je sais pas ce qu'ils font. Ils veulent pas aller prendre le point. Bon, c'est pas grave. Toi, tu meurs. J'ai dit tu meurs. Oh putain. Bon, on va le finir au missile. Enfin, voilà, au laser. Je vais essayer de faire une partie rapide, histoire de pas faire une vidéo trop longue quoi. Ah, encore le Raptor ennemi. Bon ben voilà, j'ai déjà explosé. Pas compliqué à buter. Hein. Putain, ça commence à déjà mitraille partout là. Toi. Boum. Voilà, il se fait finir par le tank allié. Hop. On frag. Hop. On va détruire ça. J'ai déjà tué les gars. Putain, il veut pas exploser ce. Ouais, il va se faire finir de toute façon. Là. J'ai déjà bien dommagé. Ouh putain, je vais bientôt crever, je vais faire gaffe quand même. Pas prendre trop de risques. Allez. Ouh putain, j'ai pas vu le temps. Bon allez. Suicide. Oh, je suis même pas mort. Vous voyez, il y a un peu l'explosion que ça a fait. Vraiment une arme pratique, ce Redeemer. Avec un bon accent français. Attends, je vais te buter. Tiens, je vais prendre la manta, là. J'aime bien. Hop, crève. Bon, allez prendre le truc, les copains. Crève. Oh, voilà un véhicule qui arrive. Ce serait pas celui que j'avais demandé avant. C'est possible. Ah. Fuck. Missile de con. Allez prendre ça. Ah, oh, je me suis fait buter. Je pas vu d'où ça venait, je me suis fait buter. On va reprendre une manta direct. Merde, quel con. Je suis trompé de touche.
Allez! Oh! Pourquoi je pouvais pas la prendre? Arnaque! Oh oui, le tank! J'avais utilisé dans le dernier gameplay que je vous avais fait, dans la vidéo découverte que je vous avais fait de ce jeu. Allez, c'est parti! Ah, il est bon le tank, putain! Bim! Oh, j'adore le tank, il est ultra puissant quoi, il est bien jouissif. Bien sympa à utiliser. Regarde ça, tu exploses tout quoi. Boum! Allez, crevez! Bande de bâtards! Allié. Ah, bah il s'est fait avoir, j'allais l'avoir. Trop tard. Toi là. Ah. Putain. Reviens là! Voilà, j'ai réussi à l'avoir, j'ai pas explosé. Tiens. Ah non, trop long. J'aurais peut-être pu réussir de l'avoir. À l'avoir. Putain, on tire tous ici. On tire tous dessus là. Ah. Trop lent le canon à pivoter. Il me fait. Ah voilà! Il va pas me faire chier bien longtemps ce manta là. Enfin, cette manta. Ah! J'avais pas vu. Le power core est. Est activé. Non, pas activé. Il est touchable. Il est endommageable. Vitaly. Vitaly niqué. Allez. Oh! Il est à peine monté dans sa manta. Boum! Power core is under attack. Ouf. Boum. Boum. Allez, boum. Boum. Crève, boum. Boum. Et voilà. Fuck yeah. Je sais pas combien de temps a duré la vidéo pour l'instant. C'est pas du tout. Oh, trop bon! Ah, j'ai même pas fait exprès. Oh, magnifique. J'ai même pas fait exprès. Ah. Moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo là. Enfin, pas complètement. C'est juste que je vais faire la vidéo en deux parties. Je vous retrouve bientôt là en match à mort. Par équipe. Allez, à tout de suite. Oh les gens, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur Unreal Tournament 2004. Et donc là, on est en match à mort par équipe. Donc c'est parti. Donc comme j'avais dit dans la première partie, match à mort par équipe qui a un style bien différent de Unslow, beaucoup plus rapide et nerveux. C'est parti. Allez, oui, ça commence déjà là. Les meilleures armes pour moi dans ce mode de jeu là, vu que c'est des maps pas petites, c'est pour moi, je trouve que c'est le flag gun, flag canon. Je crois que c'est ça, je suis presque sûr. T'as crève, voilà. Donc celui que je suis en train d'utiliser maintenant, ainsi que le Link Gun. Le Link Gun, je vous le montrerai dès que je l'aurai. Ah bah c'est celui-là, voilà. C'est celui-là, le Link Gun. Pour moi, c'est les deux meilleurs pour le match à mort par équipe. Et le minigun aussi, bien sûr, le minigun, il est magnifique. Le lance-roquette est pas mal aussi, mais vu que c'est des maps petites et que les ennemis sont souvent près de vous, ça vous risquez en fait de faire des dégâts alliés, enfin des dégâts à vous-même quoi. Hop, adrénaline. Bio-rifle. Ça c'est vraiment une arme pourrite. Ah quoi que ça va. Je sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé, mais bon. Il m'a jamais vraiment attiré en fait. Ah, j'adore en plus, je sais pas si vous entendez, ma musique elle est juste géniale. Elle entraîne à fond, vachement entraînante. Ça colle bien au thème. Un petit peu gore quand même, hein. Toi, tu prends ça. Jacob. Comme le gars de Twilight. Hop. Allez hop 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 là. J'enchaîne les frags moi. Le minigun, est-ce qu'il est par là le minigun? J'aimerais bien l'avoir. Parce que putain, il est vachement jouissif le minigun en match à mort par équipe. Je me souviens de certaines parties que j'ai fait avec le minigun, quoi que j'ai. Je me
des super longues parties où c'est que j'utilisais que celui-là, que cette arme-là. Personne n'arrivait à me buter, quoi. Oh. Ah, la minigun. La minigun et moi, tout un amour. Tiens. Ah, mort. Ces petits trucs-là, ça sert à augmenter la vie de 5 points. Parce qu'avec des bonus de santé normaux, c'est-à-dire enfin des regains de santé, ça vous augmente pas là, ça augmente le nombre maximum en fait. Ah, flacon, voilà. Le choc rifle, il est pas super pour le match par contre. Yes, allez, on va utiliser un petit coup le rocket launcher. Bam, 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 bam. Ah, j'adore la musique. Il passe par où? Je vois pas. Où est-ce que t'es, fumier? Là. Putain. Yes, minigun. Ça, c'est bon. Ça, dommage que j'ai pas plus de mine, mais. Il est bien puissant, le minigun, quoi. Je vais essayer de récupérer des bonus de santé. Enfin, des. Ouais, des bonus de santé. Ah, Vladimune. C'est bon ça. J'aime ça. Ah, en voilà des petits bonus de santé. Hey, y'a personne là. Allez, montrez-vous. 22 à 8 au score, c'est bon, c'est tranquille là. Je vous rappelle que je suis contre des bots, hein, qu'il y a aussi des bots dans mon équipe, donc. Enfin des ordis. Multi kill. Vous voyez, il est très efficace hein, en match à mort le minigun. Très effectif, il est vachement puissant, il est bien pratique. Alors, c'est qui sont les autres petits fumiers de l'équipe d'en face là? L'équipe adverse. Je vois aucun. Putain, ils sont ouf. Mais c'est pas possible ça. Y'a un problème. Ah, vous voilà. Non, mais non, je voulais pas. Ah merde, j'ai plus de mine. Warren Page. Ouf, il m'a bien explosé avec son roquette lui. Ou pas mal ça. Hop. Oh, comme il a giclé lui. Ah oui, puis on peut aussi tirer des grenades avec ce truc. Donc avec le clic droit comme ça, boum. C'est un lance-grenade en fait. Putain. Ah, plus que 5 minutes, autant. La limite de score c'est 50. Je sais pas si je vais pouvoir. Je ouais, si je peux. Je vais les faire large. En 10 minutes. Santé, parfait, ce que je recherchais. Ah, des munitions de minigun. Bah allez, voilà. Alors, où c'est qu'ils sont? Ah, t'es voilà. Hop. On est vraiment large au niveau des scores, hein. Ils font que du caca en face, merde. C'était trop ouf. Et après, on va prendre le flacanon, voilà. Ah. Ils étaient à deux là avec leur lance-roquette, ils m'ont bien niqué. Allez, cette fois-ci on va y aller au Link Gun. Gun qui est pas mal. Je prends les munitions de. Je prends le minigun au passage. Peut toujours servir. Ah! Bah, il est très bon aussi le Link Gun hein, en match à mort par équipe. Pour moi, les meilleures armes pour le match à mort par équipe c'est flak canon, Link Gun, minigun. Et puis, ouais, les autres bof. Pour moi, c'est les meilleurs, celles-là. T'as que j'arrive pas à trouver les autres là. Ah, j'entends des explosions par là. Donc, faut pas hésiter à alterner entre les deux tirs disponibles. Vachement puissant un Link Gun. Putain de bon. Allez, 42-14, ça va le faire là. Plus que 8. Plus que lui. 8 meurtres à faire. Et c'est bon. Ah.
Allez, plus que 7 minutes, plus que... Pas 7 minutes, il reste 3 minutes, mais plus que 7 gars à tuer. Ah, plus de munitions de Tlingun. Si on va y aller au flak canon. Allez, plus que ce 5 kills. On va essayer de se les faire en beauté, les 5 derniers. Voilà. Hop, déjà 2. Hop, toi t'es mort. Plus que 3. C'est quoi ça? C'est des munitions de... Ouais, Rocket Launcher. Ce rocket. Ah, voilà. Putain, c'est qui qui a explosé comme ça? Allez, on va faire le dernier avec mon petit minigun. Ah non, c'est pas le dernier encore. Rampage. Allez, dernier avec mon minigun favori. Yeah! Bon, je sais pas pourquoi à chaque fois vous gagnez quand vous tuez quelqu'un. Ouais, on est comme ça, je sais pas pourquoi c'est. Pourquoi ça fait ça, mais bon. Sans importance. You won the match. Bon, bah, c'était deux plutôt belles parties, hein. Voilà les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire, de vous abonner aussi, ça me fait très plaisir. Ainsi que de rejoindre mon Twitter et ma page Facebook, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!